Salut à tous, à Asphax, on se retrouve pour le 17e épisode de l'aventure sur Arc Primalfear. Lors du dernier épisode, on avait capturé un Rex du chaos qui était niveau 150 de base, donc maintenant niveau 224 plus les levels, il doit être au moins au level 300, et il est quand même très très balèze. Je suis vraiment content parce que je ne pensais pas trouver des créatures aussi puissantes, à peu près, hein, que le Reaper Boss. Donc voilà, ce petit chaos Rex est vraiment pas mal du tout, et aujourd'hui on va encore capturer de très bonnes créatures, notamment parce qu'on a avait aussi capturé les Dodorex Apex, hop, ce qui me permet d'avoir des Apex Box Eggs, j'ai toujours du mal à le dire, je suis désolé, et donc ça va me permettre, et eh bien potentiellement, d'avoir aujourd'hui, si on arrive à en trouver des sympathiques qui spawnent, et eh bien on va pouvoir essayer d'avoir des boss du chaos, donc ce serait vraiment très très cool, voire même des boss spirit, parce qu'il serait pas mal aussi dans cet épisode que je combatte la Spirit Guardian. Il va me manquer 5 origines Blood, donc en gros j'ai juste à faire 5 origines et je pourrais faire la Spirit Guardian, et donc comme ça on pourrait avoir et des boss du chaos et des boss spirits, ce qui serait vraiment pas mal. Je vais juste regarder quels sont les dinos disponibles pour ce début d'épisode. Si je marque chaos, hop, on a vraiment rien. Chaos Tilacoléo, Chaos Giant B, c'est vraiment pas génial. Si je marque spirit, il y a un spirit dragon mais qui est seulement niveau 15, donc c'est nul. Tilacoléo et Giant B, d'accord, ils ont fait pop que la même chose. Est-ce que le... Oui, il est là, le Tyrannosaure, et il est level, il y en a un 108. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal sans être extra, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reboot les dinos. En attendant, on va faire la Spirit Wyvern. Donc je me prépare les 5 boss origine à battre, je prends Wyvern, Ours, Raptor et puis 2 Spinos, hein. C'est à peu près ce qui me manque en plus dans les tribus, donc comme ça va me permettre après de pouvoir faire potentiellement d'autres boss et d'avoir déjà les ressources nécessaires. On va essayer de faire ça avec le Rex un peu là pour voir. La différence c'est que le Rex je peux pas le booster comme l'Impress, bon c'est pas grave. On va commencer par la plus dure entre guillemets, on va faire la Wyvern. Alors vas-y. Feu! Ouais. Alors du coup, elle est pas pratique la Wyvern, parce que vu qu'elle tourne comme ça, je pense qu'elle se prend pas beaucoup de dégâts du chaos. 132 millions. Bon, par contre, quand elle s'en prend, ça fait beaucoup de dégâts. Ah ouais, par contre, j'ai toujours ce problème d'énergie. Hop, à cause de la Wyvern. Bon, je suis pas sûr que le Rex c'était la meilleure solution. Bon, sinon, je vais la croquer comme ça quand elle passe, hein, tout simplement. Voilà. Mince, j'ai mis un Tame Helper plutôt qu'un truc de... Je me disais, elle regagne pas en... Ouais, elle regagne pas en stamina. Non. Mais je gagne pas en tor... je regagne pas en stamina même en utilisant le truc. Oh, la galère. La grosse galère. Alors ça, du coup, ça va être très compliqué pour la Wyvern. Parce que du coup, je peux pas faire mon attaque. Bon, bah finalement je crois que l'Impress est quand même plus fort que ce T-Rex pour l'instant. En tout cas pour la... Pour... Du coup il va falloir que j'invoque l'Impress, mais ça va être compliqué. Alors j'attends qu'elle fasse son tour, qu'elle se barre un peu. Allez vas-y. File, file la Wyvern, la file, je veux plus te voir. Ah oh, la galère, tout à l'heure elle est un peu partie. Ok. Vas-y fais ton attaque. Bon, allez, faut y aller, hop, le boss, c'est lui, hop. Non, non, hop, non, s'il te plaît, sors de là. Ok, cool. Oula, je suis mort, non, même pas. Ok, hop, on fait ça. Et bon, bah le Rex va tanker, et puis sinon je vais faire ça, hein. Hop, voilà, et voilà. Boum, et là je pense qu'elle va moins rigoler, la Wyvern. C'est pas mal comme ça, j'ai mon Rex qui tanque. Et j'ai la l'Impress qui attaque, c'est pas mal. Bon, puis les autres, on peut les invoquer les 4. Hop. Même s'ils font tous le T-Rex, ils vont tous mourir très très facilement. Et ça, ça fait plaisir. Ça va le Rex? Ouais, ça va. Ok, et de 1, et de 2, et de 3. Bah non, t'en vas pas, reviens. Et de 4, nickel. C'est bon, je peux faire la Spirit Guardian, et ce que je vais faire, c'est que je vais la faire dans la fosse aux Wyvern. Comme ça, elle aura un toit au-dessus de la tête, et pour s'échapper, ce sera plus difficile pour elle. Donc voilà, on va se mettre là. Je vais pas trop me mettre dans la lave. Ok, on va mettre dans son inventaire du Primol Stimulant.
des potions comme ça pour alterner. Je savais pas qu'on pouvait alterner les potions. On me l'a dit dans les commentaires. Apparemment, on me l'avait déjà dit dans la saison précédente. Ça me dit rien du tout. Ok, donc je vais me booster. Hop, voilà. J'invoque si c'est possible la wyverne. Et on y va. Donc pareil, hein, elle est super balèze. Il faut vraiment faire attention au point de vie. Et elle a 935 millions. Alors pareil. Oh bah là c'est pas mal ce que je fais. Elle est coincée, non? Ok. Alors faut que je pense surtout. Hop, toujours utiliser ça. Ok. Bon, je vais enlever 50 millions pour l'instant. Non, 35 millions. Ok. Bon, ça va être un petit peu long. Oh, wow, wow! Non! Je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pu réagir, mais en fait, mon PC a bugué. Le PC bug et du coup, je ne peux pas cliquer sur F. Il y avait trop de. Il manquait plein de FPS. D'accord, eh ben, on n'est pas couché pour cette Spirit Guardian. Je vais essayer avec l'autre démonique Reaper. Est-ce que par exemple, elle peut rester coincée par là-bas, la Wyvern, et pas venir m'attaquer? Visiblement pas, elle veut venir m'attaquer. Donc du coup, faut que je sois en mouvement. En plus, voilà, genre là, quand il y a cette attaque, ça c'est là où il faut que j'arrive à esquiver. Donc faut que je sois toujours en mouvement. J'ai pas mis les potions de soins sur moi, c'est très bête, ni les stimulants. Et en plus, du coup, j'ai pas récupéré les autres potions de soins qui étaient les bonnes, enfin les autres, ce qui fait que je peux pas alterner les potions. Mais je pense que si je suis. Voilà, quand il y a cette attaque-là, si j'arrive à bouger, normalement, il se passe pas grand-chose. Je perds quand même pas mal de points de vie, attention. Mais ça reste gérable. Oh là là, c'est tellement fort. Et elle est où là, la spirit? Je sais pas. Ah si, elle est là. Nickel. Ok. Ça va être très très long et très très dur comme combat. J'espère que ça va pas bugger comme le combat contre le. Hop. Il y a son attaque, il y a son attaque. Wow! Comment ça me propulse au loin en plus. Voilà, j'espère que ça va pas faire bugger comme contre la Chaos Wyvern. Parce que c'était un peu la galère au niveau du tournage. Ok. Ok, donc là j'ai enlevé 60 millions oh, sur 900, même pas 10%. C'est chaud, c'est très chaud. Ça va que là ça me fait. En fait, son attaque là me fait bouger. Voilà. Et donc du coup, ça me propulse autre part. Je vais continuer de tirer, hein, je sais pas trop où est-ce qu'elle est. Ah bah elle est en face là. Voilà. J'ai plus de soins dans 3 secondes. Et vu que j'ai pas d'autres potions, voilà, je vais pas en avoir d'autres. Faut que j'arrive à voir quand elle fait son attaque. Voilà, comme là. Wow! Oh là 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 là. J'ai 2 FPS. Mais regardez-moi ça! Je vais où? Je suis contre la bordure de la map. Mais. Et je continue de voler! Waouh! Ça va, c'est pas un peu abusé quand même? Regardez-moi ça, je suis où sur la carte? Wouhou! Je vais jusqu'au bout du monde. Ah mais attendez, regardez où je suis. Attendez. Je suis là. J'étais tout là-bas. Mais c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ces bugs? Ok. Bon, bah on va revenir. Hein. Hop. Après, mieux vaut ça que rester coincé et mourir. Elle est là. Ok. Tac. On va essayer de la toucher à distance. Ça, c'est pas régène. Non. Ça, par contre, ça, c'est bien. Elle se régène pas. Ok. Bon. Bah écoutez, on se retrouve plus tard, je pense. Soit parce que mon Impress sera mort, soit parce que j'ai réussi à la battre, mais j'ai peur qu'au niveau de la vidéo, ça fasse du gros dégât quand même. Parce que de toute façon, niveau FPS, ça a du mal à suivre. En gros, quand j'ai du soin, je crains rien parce que son attaque me repousse et ça se passe plutôt bien. C'est quand j'ai pas de soin qu'il faudrait que je fasse attention. Au final, je me mets tout le temps en mouvement. Et c'est pas mal, parce qu'en plus après du coup elle me suit, elle marche dans les flammes. C'est pas énorme ce qu'elle perd en dégâts, mais voilà, ça se fait quand même, on va dire. C'est la galère quand je suis repoussé dans l'eau, parce qu'elle est vraiment très lente, ma Reaper, dans l'eau. Et alors pour retourner bah, le rivage, c'est super long. Et pendant ce temps-là, bah, j'ai bouffé une potion de soin qui me sert à rien du coup. Et je peux rien, je peux pas tirer dans l'eau, tout ça, donc faut que je sorte de l'eau vite. Ah, elle est morte aussi! J'étais... Ah, oh, ça m'énerve! J'ai perdu mes deux Reapers. Qu'est-ce que je peux faire avec le T-Rex après? Je vais me faire exploser au T-Rex. Je vais tout perdre. Oh, quelle galère! Pourquoi elle est si dure? Oh, je me. Ouais, dans la saison précédente, elle était coincée derrière un rocher. Elle pouvait pas m'attaquer, je pense.
J'ai enlevé 200 millions sur 900. On va essayer avec le T-Rex. Mais après, on aura tout perdu, je pense. Le problème de mon T-Rex, c'est qu'il s'est pas tapé à distance. Il s'est tapé que juste devant lui. Donc pour cette Wyvern. Et surtout, les explosions, elles restent pas, j'ai l'impression. Oh, puis il perd en plus en énergie. Il est pas fait pour battre le boss, je pense. Hein. On va essayer quand même. Oh, non, mais n'importe quoi. J'ai même pas tenu 20 secondes. Ok. Bon, alors là, on est quand même dans la crotte. Mais alors, pas qu'un peu. J'ai vraiment tout perdu. Faut que je regarde s'il n'y a pas un truc sympa à capturer qui pourrait potentiellement après m'aider à battre le boss, quoi. Mais faut pas que je capture un truc trop bien et qui, en fait, meurt juste après, quoi. Alors, KO, qu'est-ce qu'on a? KO Wyvern, c'est pas mal. 85, c'est nul. KO Rex, on a vu que c'était moyen. Spirit, même si pour l'instant, on peut pas avoir. Il y a Spirit Dodo, Spirit Guard... Spirit Guardian? Ah bah oui, je suis bête. Spirit Rex. Spirit Dodorex. Niveau 140. Mais c'est génial ça. Oh. Pourquoi je peux pas? Spirit Dragon. Spirit Dragon, sérieux? Il y a des trucs trop bien et je peux pas pour l'instant. Bon, et le Rex, est-ce qu'il est au level? Non! Non, non, non! Puis alors là, il n'y a plus question de supprimer les dinos sauvages, puisqu'il y a les Rex. Est-ce qu'il y a une Impress? Non! qu'est-ce que je peux faire? Je pense que c'est foutu, à moins que, encore une fois, je prends un Torni Dragon et de loin j'attaque. J'en ai combien des Torni? J'en ai un ou deux? Evil 280-290. J'ai plus que ça à faire, hein. Franchement, j'ai plus que ça à faire, et peut-être à grande distance, je peux essayer de l'attaquer, je sais pas. J'essaye de voir si à distance, je peux lui enlever des dégâts. Ce serait bien, c'est que genre qu'elle prenne pas l'aggro sur moi, quoi. Ok. Là, vu que je suis loin, écoutez, j'ai l'impression qu'elle... Pour l'instant, elle attaque d'autres choses. Ça va peut-être pas être le cas de ces griffons qui vont me foncer dessus. Bon, j'attends de voir. À mon avis, il est mort aussi, mon Torni Dragon. Mais c'est plus facile à faire. C'est pas grave, ça. Plus facile à capturer. Pour l'instant, ça va. Elle se rapproche, là, non? Ouais, elle se rapproche un peu quand même. Bon, on va voir. Bon, j'arrive à la gérer un peu, mais je rentre à la maison. Là, en 10 minutes, je vais faire du moins 20 millions, à peu près. Donc, sachant qu'il lui reste encore 600 millions, ça va être beaucoup trop long. Donc, la solution, c'est de refaire une Reaper. C'est plutôt ça que je voulais dire. La capturer, hop. Et après, avoir tous les types de potions, enfin, deux types de potions, et enchaîner pour avoir toujours des potions non-stop, non-stop. Je pense que c'est la solution. Hop, est-ce que je peux en faire des comme ça? Champignons rares, mais Jobéry. Non, sérieusement. Oh, bah je vais aller chercher des champis rares, hein, tant pis. Ok, du coup, je fais la Reaper avec mon Torni Dragon. Ça va pas être un problème. Hop, normalement, évidemment, normalement. Bon, je confirme que ça ne va pas être un problème. Elle est en dessous de moi, elle bouge pas. Quand elle essaie de s'enterrer avec les flammes, elle se déterre, donc ça, pas de souci. Oh, j'ai pas fait de kibble démonique pour la capturer après. Je vais juste s'endormir et je ferai l'aller-retour avec des sacs de couchage. Voilà, c'est bon. Hop, au revoir. Ensuite, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ok, c'est bon. Donc, la nouvelle. Alors, juste... Quoi? Pas compris. Ah, il est bien celui-là. J'ai le truc qui me donne du... qui me soigne non-stop. Ça, c'est super. Et ça, c'est quoi? Stamina. Never fatigué. On n'est pas fatigué. Ça me donnait quoi? Physical protection. Healing effect. Ah bah, c'est pareil, mais en mieux. Bon, bah, attendez. Non, en fait. Enfin, voilà. Bon, alors, vas-y, toi. C'est parti. T'as pop où? T'as pop là. Très bien. Mais c'est pas possible. Oh. Non, creuse pas. Mais... Elle est fatigante. Voilà, j'ai sacrifié mon Megatherium, hein, pour pouvoir mettre une flèche dessus. Et donc du coup il n'y a plus qu'à attendre qu'elle s'endorme. Et Démonique Kibble, je pense que j'en ai pas. Mais on va voir quand même. J'en ai une? Non, zéro. Bon, il va falloir en rechercher. Mais j'attends déjà qu'elle dorme. À tous les coups elle va encore s'endormir sur la lave. On va avoir un mal fou à la trouver. Ok, dès qu'elle commence à s'endormir maintenant, je suis trop tard. Je voulais qu'elle ressorte, tant pis. Bon, là, je crois que je me suicide. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Donc, je vais faire deux démoniques Kibble. Faut que j'aille chercher des champis rares. Ici, les champis.
Il repousse pas vite ou alors il repousse pas du tout les champignons rares, ce qui fait que j'en ai pas beaucoup. Là j'en ai 45. Bon, ça, il y a de quoi faire déjà quelques potions, mais c'est pas extraordinaire. J'ai du mal à en trouver. Quand j'en trouve un ou deux, ça m'en donne quelques-uns, mais c'est pas génial encore. Ah, ici, tout petit. Hop, faut les trouver quoi. Ok, j'ai fait mes Demonic Kibble et je fais mes potions aussi. Oh, j'ai une armure que de 200 pour mes Reapers, alors que les autres, elles étaient de 100. Faut que j'aille voir vite fait si je trouve pas les sacs de mes Reapers morts pour avoir celles qu'avaient 1000. Bon, c'est pas facile d'aller trouver un inventaire quand il y a le Spirit Guardian qui essaie de nous tirer dessus, hein. Bon, même dans la grotte, je trouve pas l'armure. Bon, elle est à peu près là, la Reaper, ça se voit, ça bouge, faut que j'arrive à la trouver. Hop. Mais en gros, elle est là, nickel. Hop, elle est 155. Donc bon bah je le sens pas très bien. Déjà on n'aura pas la meilleure armure possible pour la Reaper. Hein. Après cela dit, sur la Spirit, je suis pas sûr que ça change grand chose. Hop, déterré. Parce que de toute façon son attaque elle est tellement puissante que t'es plein d'armure ou pas, j'ai l'impression que ça change rien. Hop, montez. Alors mettons là l'armure. Du coup 200, youpi. Hop, du soin, enfin de l'XP. On va se mettre à 5 millions, pas... ouais, 4, 5... 4 ou 5 millions, pas plus, hein, puisque de toute façon, après, on va être en potion non-stop, normalement. Bon bah voilà, je la soigne et on y va, et on croise les doigts très 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 fortement pour que ça se passe bien. Bon allez, en route. Je me mets déjà sous potion, hein, je reste en potion non-stop. On va essayer de pas prendre trop de risques. Où est-elle? Où est... J'espère qu'elle est encore là, par contre, parce que sinon c'est vraiment que le jeu m'aime pas du tout. Elle était là il y a 5 minutes pour m'empêcher de récupérer mon stuff, hein. On est d'accord. Et là, tac, Spirit Guardian, elle est toujours là quelque part. 19,63. Ok. Elle est là-bas dans les airs, tout là-haut. Ok, bon, alors du coup ma première potion, elle a fini. Alors on va mettre la deuxième. Hop, voilà. J'aurais dû peut-être quasiment prendre une troisième potion pour être tranquille. Mais bon, tant pis. Est-ce que tu veux venir ou pas là, Wyvern, là? Quand même, oui, visiblement tu veux bien. Ok, 640 millions, tel est l'objectif que j'ai. Voilà, boum. Si jamais j'ai plus de potions qui me soignent, à un moment donné, dans 37 secondes, là, je vais avoir combien? Non, dans 37 secondes, c'est bon, je pourrais en remettre une autre. Ok, donc en attendant... Non! Oh, ça m'énerve! Oh, ça m'énerve! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? Pff, je vais même pas enlever 10 millions, je suis mort! Ça fait 20 minutes que je suis sur cette... Oh, quelle horreur! Oh, je suis dépité là, franchement. Tout ça pour même pas avoir tenu 20 secondes de combat, quoi. Ok, j'ai peut-être ma sauveuse. Il y a une Chaos Wyvern. C'est pas facile à avoir, mais si j'arrive à l'avoir, elle, je pourrais toujours voler et je pense que je pourrais battre la... Puis elle est niveau 70, elle est pas mal, hein. Ce serait ma solution. Ça, c'est très dur à attraper une Chaos Wyvern, mais c'est faisable. Ok, Spirit. Ah, il y a même la Spirit Manticore. Bon, elle était pas bas level. Mais ok pour la... Ok. Et le Rex, au cas où? Le... Comment il s'appelle? Le ske quelque chose, squelettenis tyrannosaure, ok. Bon, on partirait du coup sur une Chaos Wyvern. On va essayer ça, hein. Et comme ça, je resterai tout le temps à distance. J'en avais pas fait une orbe. Si, j'en avais déjà fait une. Ok. Ensuite, il faut que je me fasse des origines Blood. Enfin, origine Blood, est-ce que j'en ai? Non. Du coup, est-ce que je peux faire de ça? Je ne pense pas. Non. Zut! Parce que j'ai zéro flèche, c'est peu. Donc je refais des origines en mode bourrin avec mon Tornidragon, du coup, hein. Alors, deuxième partie de l'épisode. Je suis désolé, il y a une heure de tournage qui sont inutilisables. Ça fait exactement comme le combat contre la Wyvern KO. J'ai une heure qui est pas possible. C'est rempli de lag. C'est du image par image. Ça me fait ça qu'avec Primal Fear. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mes graphismes. J'avais tout mis en ultra, j'ai tout mis en haut. Normalement, ça devrait pas changer grand-chose au niveau des graphismes. En tout cas, sur YouTube, ça devrait pas être beaucoup plus moche. Mais par contre, je gagne pas mal d'FPS et j'ai
j'espère surtout que mon enregistrement va marcher, parce que l'autre s'est foutu. Du coup, que s'est-il passé pendant une heure, donc qu'avez-vous raté? Eh bien, j'ai capturé la wyvern du chaos. Alors ça, c'était pas si dur que ça, elle était dans la grotte des wyverns, tout simplement. Je lui ai mis une flèche, évidemment je suis mort plusieurs fois, mais je lui ai mis une flèche origine, et du coup j'ai pu capturer cette magnifique wyvern. Mon problème, c'est qu'elle est magnifique, mais elle n'est pas très forte en fait. Je veux dire, bon là elle fait du moins 300 000, pour tuer un bronto c'est bien, mais sinon pour attaquer le reste en fait, eh ben c'est vraiment pas génial. J'ai quand même des frises là, je comprends pas. Hop, j'ai quand même cette attaque là, qui lance des gros boulets de canon là, mais en fait les boulets de canon, par exemple sur la Spirit Wyvern, j'ai essayé, ça lui enlève du moins 2 ou moins 3 millions, sachant qu'il lui restait encore plus de 600 millions de points de vie, c'était impossible, surtout qu'en plus l'attaque est vraiment pas précise. Vous voyez là, j'ai visé le bronto et en fait ça va, bon là ça allait en fait, mais bon je trouve que l'attaque est pas très précise de base, et en plus une fois que ça a pété, je veux dire ça reste pas très longtemps les flammes, donc finalement la Wyvern elle est magnifique. Pour voler ça va être pratique, elle a quand même 10 millions de points de vie, elle a 7000% d'attaque, mais voilà, pour entre guillemets son level, sa rareté, elle est quand même niveau 342, et en fait elle est vraiment pas géniale, donc je suis un peu très déçu. Bon, sinon, cette Spirit Wyvern, je l'ai toujours pas battue, hein, malgré les 1 heure de tournage supplémentaire, je suis mort quasiment à chaque fois. J'ai refait en tout 2 Reaper Impress, là, et il y en a pas... Ah, j'ai encore des lags, c'est long, c'est bizarre. Hop, encore une fois, alors, sinon, les ombres générales, on va être moyennes. L'échelle de résolution aussi, je vais rester comme ça. On va diminuer encore les effets de maillage. Les ombres de terrain moyenne aussi, ok. Et donc cette Spirit Wyvern, je l'ai donc toujours pas battue. Là j'ai encore de nouveau une Impress Reaper avec moi qu'on va essayer de le battre. J'ai à peu près la technique, il faut être toujours au mouvement quand on n'a pas les superbes potions qui nous aident. Mais il suffit d'une erreur et j'en fais toujours une au bout d'un moment. Et je me fais exploser en moins de 3 secondes, j'ai même pas le temps de réagir. Ok, c'en est un petit peu trop pour moi là quand même. Mort, ma Reaper est morte, mon PC a crashé, j'ai eu un rollback, mais juste après évidemment que ma Reaper soit morte, je vais arrêter là pour aujourd'hui, ça me saoule, je suis à 3 heures de tournage, j'ai juste eu une Chaos Wyvern qui est pas très forte au final, je vais faire une petite pause et je tournerai la semaine prochaine, dans quelques jours, hein, la suite, parce que là ça ne va pas. Donc voilà, je vais me reposer un peu, je lâche Primal Fear là parce que là cet épisode c'était vraiment la catastrophe. Une fois que je suis bien posé tout ça, on refait une ou deux Reaper, on essaye de finir cette Wyvern Spirit, il lui manque 250 millions sur 900, j'ai quand même enlevé 700 000, hein, c'est pas mal, j'y suis presque, mais j'en ai peut-être encore pour une heure si elle me tue encore 2 fois les Reapers super facilement, et en plus faut pas que mon PC crash parce que c'est pendant le combat et qu'après que ça me fasse un rollback, c'est complètement catastrophique. Bon bref, parce qu'en plus quand c'est comme ça, non seulement ça me fait sauter mon combat, mais ça me fait aussi sauter le record, donc voilà, le truc de le gros bonus bien qui fait mal là. Donc voilà, petite pause, après je pourrais faire normalement, une fois que j'ai battu la Spirit Wyvern, Spirit Orbs, et à ce moment-là, du coup, on a des bonnes choses qui nous intéressent quand même. On a du coup à voir le Spirit Dragon, niveau 140, la Spirit Dodorex, niveau 140, donc ça c'est vraiment pas mal. Spirit de Wyvern, pas très haut level. Et rapidement, on resupprimera les dinos de la map pour pouvoir faire réapparaître d'autres Skeletonized Tyrannosaures et essayer de le capturer parce que lui, à mon avis, il est très très balèze et ça pourrait être très intéressant. Voilà, c'est donc avec plaisir que je vous laisse sur cette fin de vidéo. On se retrouve quand même très bientôt pour la suite avec un psychologiquement bien reposé, avec un mental d'acier. On tue la Spirit Guardian et on continue l'aventure. Allez, salut à tous! À bientôt!